J'ai commencé pendant 20 ans en Afrique et j'y suis retournée 10 ans après. C'était la forêt, le plein désert et la savane. Aujourd'hui, je suis dans le 93, donc avec un milieu très très différent. Par exemple, l'année dernière, j'étais dans une classe de 6e pour chercher un peu avec eux qui ils étaient, ce qu'ils valaient. Il y avait 7 religions différentes dans une seule des classes. Et l'établissement scolaire que je fréquente le plus a quand même 1400 élèves. Et ce qui fait une diversité énorme. Le vivre ensemble est compliqué. Et comprendre que la diversité n'est pas opposition, mais complémentarité. Comprendre que rester soi-même, c'est aussi comprendre que l'autre peut rester ce qu'il est, sans imiter, sans comparer. Je pense à un passage très difficile, c'était au Niger, chez les Touaregs, pendant les années de famine. Donc sur les 2000 vaches de la vallée, il en restait 4, 7, quelque chose comme ça. Et il a fallu chercher avec les... C'était une école nomade que j'avais. Il a fallu chercher que faire pour ne pas aller contre la volonté de Dieu, mais au contraire préparer le sol et tout ce qu'il fallait pour le jour où la pluie viendrait. Et j'avais une école, et des CM2 en particulier, qui arrivaient à l'université, m'ont retrouvé mon adresse et m'ont écrit pour me dire que les autres leur demandaient quel secret de joie ils avaient trouvé. Je n'ai rien dit de spécial, j'étais là avec tous, les adultes comme les enfants, et ils ont trouvé un secret de bonheur. Ils m'ont remercié des années après. C'est une chose qui m'a beaucoup touchée. Et c'est une façon d'être missionnaire, être avec. De commencer par croire en lui, parce que Dieu croit en lui et en elle. Et à partir de ce moment-là, qu'elle prenne des temps pour elle-même, pour s'écouter, et donc écouter ce que Dieu a à dire, et se faire confiance parce que Dieu nous fait confiance. Quels sont mes attraits aujourd'hui? Qu'est-ce que j'aimerais être? Qu'est-ce qui va me rendre heureuse et donc rendre les autres heureuses? Ce n'est pas un plaisir égoïste et on sent bien la différence, surtout à cet âge-là.